Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui lundi le 17 février 2014. Donc, je demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison. Dans le moment présent. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Chantal Leduc. Je fais des tirages comme ça, général, à tous les jours sur YouTube. Ma chaîne, c'est Chantal Leduc, justement. Et puis, je fais également les mercredis du coaching de l'âme. Et puis, les signes astrologiques, les 12 premiers jours du mois. Un signe par jour, commençant par le premier avec celui dont c'est la fête au cours du mois. Je fais également des coachings personnalisés. De différentes façons. En personne à mon bureau à Valleyfield, Skype, téléphone, un cours vidéo comme celui-ci que je vous envoie ou un enregistrement audio que je vous envoie par courriel. Donc, pour un temps limité, il n'y a pas de taux fixe, donc vous me donnez ce que vous voulez. Simplement m'écrire à Chantal, pas de E, A commercial, coachingchantou.com. Ça va me faire un plaisir. De vous faire une lecture d'âme personnalisée. Je fais également du coaching de l'âme et puis de l'enseignement spirituel de différentes façons. Tarot, canalisation, chakra, rêve, décodage de rêves et de signes de jour. Sur les guides également, donc les différents guides. Donc, à vous de m'écrire pour avoir plus d'informations pour ça. Et puis, à ne pas manquer... les 1er et 2 mars prochains, je vais être au Salon Harmonie de Joliette, pour ceux et celles qui ça va intéresser. Je sais que j'ai une conférence durant cette fin de semaine-là, mais je ne me souviens pas quand et à quelle heure. Et puis ensuite, j'ai quelque chose de nouveau qui s'est fait en fin de semaine, le 13 mars prochain, à Laval, au Palace de Laval. Je vais être là accompagnée de 4 autres conférenciers, plus Alexandre Aubry, qui va parler horoscope. C'est lui l'invité d'honneur, en fait. Et puis, je vais avoir un kiosque là, si ça vous intéresse. J'ai des billets à vendre. 20 $. Je vais les recevoir cette semaine. Soit que vous me payez par PayPal, je vous envoie le billet, ou... qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est au Salon Harmonie, les 1 et 2, je peux vous les vendre là. Donc, ça va me faire un plaisir de vous voir. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que vous avez été déséquilibré dernièrement. Votre énergie n'était pas à son top, là. Pour plusieurs raisons, là. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui a fait baisser votre énergie comme ça. Peut-être qu'il y en a qui ont été malades aussi à cause de ça. Vous savez ce qui vous énergise le plus. Donc, à vous de voir, là, c'est sûr que des fois, on a des choses à expérimenter aussi. Vous savez qu'au niveau de la prière, de la méditation, tout ça, ça c'est sûr que ça rehausse l'énergie. Donc, à vous de voir, il y a de l'intériorisation qui devait être faite, là. Et puis... c'est comme si vous étiez éclairé, mais juste de certaines façons, d'une certaine manière, quand vous étiez plus connecté avec l'esprit et vous avez remarqué cela. Donc, c'était à vous de voir. Ça a été expérimenté par le passé. Amenez ça dans le moment présent et dans le futur pour vos nouvelles expériences, là. Donc, dans le moment présent, je vois qu'il y a beaucoup d'alliances, de partnership qui va se faire, d'associations qui va se faire avec des personnes vivantes, mais également avec des formes d'énergie différentes que vous allez apprendre à côtoyer. Différents guides, différents anges, archanges, différentes énergies. Ça peut être plus large que ça. Il va y avoir une ouverture de conscience qui va se faire. Il va y avoir de la confiance aussi qui va se faire aussi. Mais c'est comme si, là, dans le moment présent, là, vous avez vraiment
besoin aussi de rebalancer certaines choses encore, là. C'est pas tout à fait réglé. Quand ça va être réglé, vous allez vraiment vous connecter beaucoup plus avec le clair ressenti, les émotions, ce qui est vraiment, vraiment, moi, je dirais, la chose à développer avant toute autre chose, surtout la clairvoyance. Parce que si vous avez pas la clairvoyance de très développée, peut-être, mais compris, ça, c'est une autre chose. Parce que la perception peut aller faire, ça peut amener des choses erronées. Tandis qu'au niveau du ressenti, c'est toujours, toujours bon à 100%. Donc ça va être quelque chose que vous allez vous reconnecter plus. Puis là, vous allez être comme beaucoup plus connecté à la source grâce à ça. Puis ça va être merveilleux parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Vous allez être vraiment dirigé par l'âme, votre partie divine. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain.